Ouf. Je sais pas s'il s'écoute parler Alternance dans ton mouvement. bah, je sais pas si lui-même il s'entend parler hein, quand il se contredit comme ça hein, il dit que Touadéra est très mauvais soudainement il dit parce que j'ai vu hein, je suis allée suivre comme ça là son ces lives là il dit hein, au fait je pense qu'il y avait c'était quand il y avait comment il s'appelle Abakar Sabon qui intervenait voilà il dit à Abakar Sabon il reconnaît hein. Donc ça veut dire qu'au fait je dis d'abord ce qu'il a dit à Abakar Sabon il lui dit Abakar Sabon là où tu te trouves là où je me trouve là où Mbaïkassi se trouve, si le président Touadéra voulait avoir la main sur nous, c'est-à-dire les arrêter, faire tout ça, il peut le faire, il a le pouvoir de le faire, mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il a un bon cœur. Donc, on voit en fait la mauvaise foi du personnage. C'est quand il se trouve dans la merde que il reconnaît la valeur des gens. Et ça, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et une personne comme ça est très dangereuse. Parce qu'il ne pense que une personne. Elle ne pense que à elle-même. Elle ne pense que à elle et à ses intérêts. Donc quand il se trouve dans la merde, il va essayer. Ça, c'est d'après les psychiatres, hein, les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'ils se comportent. Hein. Il sait que, par exemple, il sait qu'il t'a fait du mal à toi, Sista. Et quand il se trouve dans la merde et qu'il sait que c'est toi qui as la solution, donc il se lance dans une opération de séduction, de te séduire. Et dire, mais non, Sista, au fond, hein, Sista, au fond, elle n'est pas méchante, mais Sista que tu vois là. Envoie-lui mon live là parce que ça va là-bas l'enregistrer. Elle est pas méchante, la fille, elle est pas méchante, hein. Voilà, donc, en fait, il séduit, il dit, hein, en fait, c'est pour dire, hein, tu vois, Touadéra, il peut mettre la main sur nous, hein, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a bon cœur. Et une fois qu'il a dit, c'est qu'il a séduit Touadéra, bon, le président, il n'est pas idiot pour tomber dans ce piège-là. Et après, il va dire, au fait, ce dont il a besoin, l'avocat, au cas où si Kermessé aurait porté plainte contre lui, comme il sait qu'il aurait besoin d'un bon avocat pour se défendre et tout, et puis c'est là qu'il va dire, ben voilà, hein, le président, si je lui demande un avocat, est-ce que vous croyez qu'il va refuser? Mais non, il refusera pas. Hein. Si je vais à Bangui, est-ce que je serai arrêté? Mais non, alors qu'il disait avant qu'il ne pouvait pas aller à Bangui parce que s'il arrive à Bangui, que. Donc ça, c'est le prototype hein, du pervers narcissique. Il injurie et puis il vient et fait, mais non, je n'ai jamais injurié. Mais moi, je n'ai jamais injurié. Mais il faut qu'on arrête les injures. Pourquoi on va continuer à injurier hein, les membres de notre gouvernement? Donc, il reconnaît que ce qu'il fait est mauvais. Il le dit parce qu'il se trouve dans la merde pour que on l'assiste. Mais moi, je sais déjà qui il est. Donc, voilà pourquoi quand je vous dis que je l'ai mis de côté, je l'ai viré à vie. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant. Il m'envoie des messages, il m'envoie des notes vocales d'amour, hein. Mais j'ai fait, c'est dans mes spams, hein. Oh, Bah, Biwa. je pense que c'est juste un piège, hein. Il cherche quelque part. Il cherche quelque part. Il te met un message au cas où tu réponds pour qu'il dise, ah, vous voyez, Sista qui dit qu'elle communique pas avec moi. Regardez, c'est pas elle là. C'est pas. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Donc, ceux qui ne connaissent pas les manières de faire des manipulateurs vont tomber dans son piège. Mais au fait, hein, lui-même, partout, hein, partout, de tous les côtés, là où il va, il y a toujours. Et s'il y a une personne, hein, cette personne-là, je suis toujours en train de parler d'elle. Je reviens, c'est comment il s'appelle? J'ai dit elle parce que j'ai dit une personne, mais c'est un homme. Oh, Légos, hein? Légos, il sait, hein? Légos dit toujours non, 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 moi je me méfie de Oro Farah parce que c'est un traître. Il l'a toujours dit, il a dit parce que un traître le restera. Si ce qu'il a fait ici à X, il va quitter X pour aller à Y, il va le refaire partout, il va aller, ça serait pareil, il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. Et je vois, y a ceux qui sont intervenus
dans son live, comme notre frère Anselme Doigt-Clé. Hein. On sait que le frère Anselme Doigt-Clé, bon, moi je dis, hein, de nature, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Bref, voilà, il n'aime pas les problèmes, et puis voilà. Mais tout le monde n'est pas Anselme Doigt-Clé, et puis il est là à dire, oui, vous voyez mon frère, là, il est très intelligent, vraiment, je vais lancer un message pour qu'on le prenne au travail là-bas. Comme si lui, là, les gens du gouvernement qui l'injurient vont l'écouter, lui, pour prendre Anselme. Hein? Si les gens du gouvernement, ils ont besoin d'Anselme, ils vont l'appeler, ils n'ont pas besoin que voilà quelqu'un qui va les injurier. Et puis, non, mais sérieux, je ne sais pas. Hein? Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. Le président au pouvoir, hein? Attention. La justice dit que c'est ça, ben voilà, c'est ça. Sinon, dans le cas contraire, c'est pas ça. Donc, je ne vais pas dire, ouais, c'est une honte, pourquoi envers ton frère et tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est. Des fois, il y a des réactions des Africains, franchement, ça. Et je me dis, ben, je comprends pourquoi on ne peut pas avancer, quoi. Pourquoi on ne peut pas avancer. Donc, faut. L'information actuellement sont à Bazaï, Galatique, qui est la baisse actuellement sont à la Kenandouzou. Bon, je ne vais pas forcément citer leur nom, mais il y a un live qui est passé aujourd'hui, Miti Nandoni, déjà téléchargé. Soit les orofaragana valise le logo na hôtel qui est quand la mariage on a bobinison le gana bagage pour 3 jours sont VST et vendredi et samedi et dimanche le lavonati canapé la chambre tibili frère ni soit nous na États-Unis la gars et soyez la famille pompez beaucoup de pouces de cœur et de likes Italie États-Unis soit garçon États-Unis soit garçon. Le Ghana cadeau n'a c'est quoi tu l'as à qui n'a tu besoin tu l'as. Il t'a n'a si tu l'as à qui goûte ça avec matin dans la benaye le petit garçon à famille. Cadeau à qui ça? Cadeau n'a tu bagage t'a tu américaine à grisa. Cadeau n'a qu'il y a famille pompez beaucoup de pouces de cœur et des étoiles. Toi, tu as dit qu'à ton ami, toi, merci. Un cadeau à grisa. À peindre qu'à senti marqueur et puis un téléphone portable ton son. Il t'a la sigia à Bazangere Katene, il t'a dit Bazangere, Bigana Kadona Bini Sewachimi, même Bina Oro na di chambre, où c'est? À Kadoa Krissa. Zala vous attendez, c'est pas possible, bon que soit, ni que sûr, bon que soit, ni que sûr, bon que soit, ni que sûr. Attendez, calmons, doucement, 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 doucement. Qui sont au roi, disparition de cadeaux, c'est ça, Anatole. Qui sont au roi, si il a nous avions à 3 heures du matin, après, à matin, dans son poisson. Qui sont au roi, si quelqu'un soit là, il peut faire moi, pour aller sur les hommes, oui, en famille, là-bas, moi, tout cas, au roi, tout piqué. Mais, ah, apôtre paix dans les mains, chambon, il t'en a fait. En bas qui entre, il bâtit là, à manquer le kénati besoin. En d'accord, au roi qui est pickpocket, au roi zi, bâtit le colis, sans nous la États-Unis à qu'à senti marqueur, n'a bien à gué. L'avenir qui est là-haut, inventé Timmy Pépé. Il n'a rien à mettre, mais qui lève là, à notre groupe qu'à faire, donc pas quoi, mais c'est d'accord, mais c'est. Ah, Oro a eu besoin, Oro encore pépé. Et actuellement, Oro a le un foyer pour quasiment 3 ans qui est impayé. Ton cabinet, toi, l'ambition, les traîneurs et mon berger, c'est quoi ça? Quand Dieu n'a pas pourvu ou comment? Oro a impayé le un foyer depuis, il pensait 2 ou 3 mois qu'on soit dans le foyer. Il s'en là, on a des factures à payer. Moi, je fais là. Je ferme rendez-vous fin janvier là-bas pour les 2 ans de notre émission. Entre-temps, facture, bigoti, je ne suis pas là pour faire de m'as-tu vu en ligne. Ah, ben, je suis belle. Ah, je suis à l'hôtel. Ah, je suis là pour 3 jours. Ah, pour 4 jours. Ah, pour 5 jours. Ah, mais là, t'es avion. Ah, mais là, Dubaï. Ah, mais là, États-Unis. Ah, mais là, jusqu'à un niveau de 400 euros à piquer. Tu me bats sur le corps du toi qui es basan, qui est RMC. Allez, va bien. Tu as démontré à Oro que le corps le Kenazo, pendant son mariage, même on l'a vu,
Même si tu es comment là, il faut aussi accepter ça. Point 1, Nina. Michaela, pour clôturer, pourquoi je dérange comme ça? Pourquoi Azo a tes bâtiments? Bertie Angèle, soyez heureux que Wanzi. Michaela, tu es aussi spirituel comme moi. Comment des gens peuvent autant rêver de moi que Michaela, t'as la Nikundu, qui est dérangée là? Ça peut aider nos frères et sœurs là pour finir l'année. Michaela, dois-je remettre ma foi en cause ou comment, Michaela? Comment on rêve de moi que Bikami Tirinazo, blessé, comme ça, comment intervenir? Tu connais bien? Appelle et puis intervient. Si tu es abonné à la page, blessé, intervient. Parce qu'il est fini là-haut. Il est à 3 heures, pardon. Il faut y compter lui aussi. Michaela, tu as la parole. Que Blaise vienne parler un peu là. J'ai beaucoup parlé. Hein. Blaise, Blaisy, vas-y, je te laisse la parole. Je laisse la parole à Blaisy. Hein. Mais il n'est pas encore là. Parle en attendant, il n'est pas encore là. Oui. Bah, au fait, tu sais, hein, le fait de trop penser à quelqu'un, déjà, hein, si tu n'aimes pas une personne et que, ouais. Bon, si tu es quelqu'un de normal et que voilà, tu vois que tu. Parce que moi, je n'ai pas de haine envers quelqu'un. Moi, je ne sais pas que je n'aime pas les gens. C'est le comportement des gens qui font que je me détache de. Je n'ai pas de haine et je ne peux pas avoir de la haine. Parce que la haine, si tu as de la haine, ça joue sur toi, ça joue sur la santé, tout ça. Quelqu'un de normal, quand voilà, la personne voit que ça ne va pas avec telle personne, tu zappes, tu avances. Mais quelqu'un de foncièrement méchant, c'est-à-dire il y a la jalousie, il y a la méchanceté, comme cette personne qui a appelé le Baïkassi pour dire des méchancetés. Des mensonges, mais des grossièretés, des choses, mais vraiment graves. Cette personne a de la haine, c'est-à-dire cette personne, elle aimerait même me voir mourir, c'est-à-dire parce que c'est la pire des choses qui peut arriver à une personne. Donc, quand tu penses tout le temps à la personne, parce que tu es jalouse d'elle, parce que tu veux peut-être certainement être jalouse de moi parce qu'elle aimerait être comme moi, mais c'est pas possible. Hein? Et plus tu penses à la personne, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas arriver de la personne. Parce que le subconscient, il enregistre tout ça. Les pensées. Des fois, ce sont les pensées. Tu penses tout le temps à la même chose. Ben, tu vas arriver dessus. Tu vas arriver dessus. C'est comme ça. Voilà. Donc, si les gens disent, voilà, c'est que, voilà, ils sont tout le temps en train de penser, qu'est-ce qu'on peut te faire de mal? Quelle méchanceté je peux dire sur Sista pour la détendre, la salir. Plaisir est là. Plaisir est là. La salutation aux belles femmes, Michaela Kingdom, merci. La femme de valeur, la centrafricaine qui représente, et Sista Angola, gros bisous à vous, bonne fête à vous, premièrement. Merci. J'interviens dans le deuxième thème. Nous, on a beauté, enfin, je suis sorti un petit peu. Oui. Mais je pense que Michaela a tellement bien brossé la chose. Mais elle a tendance à brosser dans le sens du poil. Non, Bic, et encore une fois, je dis non. Mes sœurs, vous savez, quand on parle mal de vous, en fait, quelque part, c'est que, et toi, t'es avec les arts, premièrement. Juste ça. Maintenant, toute personne qui arrive, parce que, non, remets-moi dans le thème, s'il te plaît, si ça, remets-moi dans le thème pour que je puisse bien intervenir, pardon. Désavoué par Kéran Bessin et ses lieutenants. Et le faux du Bénin ne fait plus de vue depuis sa tâche en parabole aux disciples de Kéran Bessin et à Kéran Bessin. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc, je vais intervenir. Maintenant, je vais dire en fait à Oro Farah, qui est un frère, moi, gars, il y a des personnes qui pensent qu'avoir des vues leur octroie une dimension politique. Parce qu'en fait, on a Moussa Vumingui,